Bonjour, chers internautes, chers visiteurs, chers membres réguliers de l'école du sabbat. Le privilège m'est accordé ce matin de pouvoir vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue. Pour introduire notre moment de l'école du sabbat, j'aimerais partager avec vous le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je sais qu'il fait froid ici en France, et peut-être que pour vous les internautes, peut-être qu'il fait très chaud. Mais Dieu nous dit qu'il ne faut pas nous plaindre, c'est lui qui nous donne la pluie, il nous donne le soleil, il nous donne le froid, la chaleur. Et nous devons dire, comme le psalmiste, Éternel, que ton nom est magnifique. Pour débuter ce moment, je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te bénir parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci, ô notre Dieu, parce que nous savons que tu es présent parmi nous. Et tu vois, Seigneur, que nous sommes certainement venus dans ce lieu chargé. Mais nous voulons, en cet instant, toi qui as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Ô notre Dieu, nous voulons déposer tous nos soucis, tous nos bagages qui sont lourds, et nous laisser remplir de ta présence, nous laisser remplir de tout ce que tu es, afin, Seigneur, que tu nous donnes le repos, non seulement physique, mais aussi le repos moral. Nous voulons te soumettre, Seigneur, cette école du sabbat, ainsi que toutes les activités qui seront entreprises pendant cette journée, te demandant de les diriger par ton Saint-Esprit. Et que cette journée, Seigneur, soit une journée qui soit pour ta gloire, pour ton honneur. Nous te remercions, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous gardons notre position et je vais laisser la place à l'équipe de la louange qui va vous interpréter ces deux chants. On est bien à la maison et Jésus est au milieu de nous. J'espère que comme le chant vous le dit, vous vous sentez bien, que vous soyez ici dans l'église ou bien, effectivement chez vous. Et bien, ce matin, nous sommes quand même une grande famille qui se réunit pour passer un moment en la présence de Dieu et où l'amour règne. Alors chantons tous ensemble, on est bien à la maison. Thank you.
roi d'amour est présent, il est en nous et il est ici dans cette salle aussi. Alors, n'hésitons pas à chanter « Jésus est au milieu de nous » pardon, et son regard s'abaisse, son regard d'amour s'abaisse sur nous. Vous pouvez vous asseoir. Juste avant de passer à la discussion de la leçon, j'ai une annonce importante, à savoir que cet après-midi, à partir de 15h, il y aura l'introduction de la leçon de ce quatrième trimestre qui sera présentée par Roland Beyer, qui est déjà sur la chaire, mais donc, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi, ici, à 15h. Et les internautes, ils peuvent suivre aussi par YouTube. Donc, rendez-vous cet après-midi à 15h pour l'introduction de la leçon du quatrième trimestre. Cette semaine, nous étudions une nouvelle leçon. Rébellion dans un monde parfait. Nous savons tous qu'au ciel, tout était parfait et soumis à la loi de Dieu. Dieu, il a créé les anges parfaits. Et jusqu'à présent, on se pose la question, comment le mal a-t-il pu naître dans le cœur d'un ange qui a été créé parfait, à savoir Lucifer, et qui a créé tout le désordre?
Je vais laisser la place aux animateurs. En rappelant toutefois comment les classes elles sont réparties parce qu'il y a des nouveautés. Donc, à ma gauche, donc nous avons tout devant la classe des professeurs qui sera animée par Eurico. Nous avons la classe d'Étienne, plus au fond, toujours à ma droite. Toujours à ma gauche, pardon. À ma droite, nous avons la classe des jeunes adultes. Nous avons la classe d'Alison et celle d'Annie. Nous avons la classe malgache à l'étage. Nous avons aussi la classe de Richard Lehmann à la FAT. Et puis les internautes, ils ne sont pas tout seuls. Ils seront aussi, pourront partager la leçon avec Bernard Sulestrade. Bonne étude et à tout à l'heure. Bonjour chers amis, merci d'être avec nous. Je vois sur mon téléphone que vous êtes déjà nombreux et je sais que ce nombre va augmenter. Et comme vous voyez, nous avons la joie d'avoir à nos côtés ce matin Roland Meyer. Merci Roland de nous faire cette amitié, cet honneur d'être parmi nous. Et je sais que tu as eu pas mal de déplacements ces derniers temps, que tu n'es pas à la retraite, même si sur le papier c'est le cas, mais que tu es très occupé et tu nous fais cet honneur de nous consacrer donc ce temps-là. Et une première question, c'est que lorsqu'on sait que chaque trimestre, les professeurs voient ensemble qui est le mieux placé pour présenter tel ou tel sujet de l'école du sabbat. Et ce trimestre, c'est toi qui as été choisi. Tu veux bien nous expliquer pourquoi c'est toi et finalement quel est le thème général de cette classe. Et puis je vous rappelle les internautes que je vous vois vos chats sur l'écran, je vois les salutations d'Esther, de Yolande, de Coné, Blandine et beaucoup d'autres. Merci pour votre participation, j'essaierai de vous suivre tout en échangeant avec Roland. Hein, et donc vos commentaires sont aussi précieux. Voilà. Merci Bernard et bonjour chers internautes. Le sort tomba sur moi pour introduire les thèmes de ces écoles du sabbat de ce trimestre. Alors c'est peut-être parce que j'ai passé à peu près ma vie professionnelle à étudier tous ces thèmes de la création, de la vie, de la mort, de la résurrection, du retour du Christ. Voilà, chaque enseignant a un peu ses spécificités, ses spécialités, et puis on se partage ainsi les interventions en fonction de ce qu'on a un peu plus étudié. Ça ne veut pas dire que nous ayons réponse à toutes les questions, surtout lorsqu'on va débattre avec toi, Bernard, de ces questions de l'origine du mal. Maintenant, la thématique qui a été choisie par le département de la conférence générale a été de nous introduire par des travaux qui ont été faits par Alberto Tim, qui est un des responsables de l'Institut du White Estate, c'est-à-dire du lieu à la conférence générale où on garde les documents d'Ellen White, où on les étudie, on publie des documents, où on répond à des questions des membres d'Église. Il est aussi membre de l'Institut biblique de la conférence générale. C'est un institut de recherche permanent également, qui lui aussi a pour mission de répondre à des questions que les fédérations peuvent se poser, les unions, les divisions, un membre d'Église. Donc c'est quelqu'un, Alberto Tim, qui a beaucoup étudié ces questions-là. Et donc, ce qu'on appelle le questionnaire encore, le document qui nous permet d'avoir un appui d'étude, a été réalisé sur la base de ces travaux. Le sujet est très vaste parce que on commence par avant la création. Alors déjà qu'on ne sait pas très bien comment la création s'est déroulée, maintenant on nous met avant la création pour nous dire que le mal était antérieur à cette création. Et puis l'auteur va dérouler en quelque sorte toute l'histoire de l'humanité avec le péché, avec la chute, avec la mort, avec les résurrections, avec la résurrection, avec celle du Christ, pour arriver finalement à montrer quelle est
l'enjeu de la lutte entre Dieu et son adversaire Satan. Et pour terminer par ces textes absolument magnifiques d'Apocalypse 21, les premiers versets, et Apocalypse 22, aussi les premiers versets. Donc on aura pendant ce trimestre une sorte de balayage d'un tableau gigantesque, puisque le temps nous dépasse, et puis les récits nous dépassent aussi, puisque pour la plupart d'entre eux, comme pour la Genèse ou l'Apocalypse, les auteurs de ces textes ne sont pas témoins des événements, mais sont sous la guidance, on peut dire, de l'Esprit de Dieu pour écrire ces textes. À nous ensuite de les étudier, de les décoder, de les, entre guillemets, comprendre avec des pincettes, parce qu'ils ne sont pas faciles, et d'essayer de voir que dans la misère dans laquelle nous vivons maintenant, et on en a des exemples absolument présents, et la violence des temps, il y a une solution non pas ni de l'homme, ni des pouvoirs humains, mais une solution qui viendra de Dieu. Donc tu as précédé un peu le questionnement que j'avais. Pourquoi finalement c'est ce thème-là qui a été choisi, hein? Tu as grandi dans l'Église adventiste, c'est des thèmes que tu connais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2022, au XXIe siècle, c'est des thèmes qui ont une importance particulière, différente? Alors, le pourquoi cela a été choisi, je pense que le département de l'École du sabbat de la Conférence générale choisit ces thèmes bien longtemps à l'avance, parce que la rédaction d'un document tel que le bulletin que nous avons sous les yeux prend du temps. Et il est passé à la moulinette de bien des comités pour essayer de voir toute la logique et la cohérence qui se déroule de leçon en leçon, ou leçon après leçon. Mais j'imagine que nos amis de ce département ont quand même pris la température de la situation actuelle du monde et ont souhaité sensibiliser l'Église, mais également ceux qui n'en font pas partie, puisqu'ils ont absolument le droit d'étudier la Bible, et on le leur conseille d'ailleurs, pour que nous puissions ensemble nous replonger, en quelque sorte, dans non pas une étude qui va nous donner des paramètres scientifiques, mais une étude qui va nous donner des paramètres bibliques auxquels nous croyons, auxquels nous adhérons, et qui vont être pour nous une sorte de consolation en attendant mieux que maintenant. Ok, donc une consolation dans un monde en difficulté, agité, hein, et vous avez vu que le titre parle à la fois d'espérance et de mort, hein. Donc oui. L'espérance à venir, la mort et la vie éternelle. C'est vrai que je t'ai souvent entendu parler de ce thème, de mort et de vie éternelle, de l'état des morts, hein, et j'y pensais encore hier, hein, j'avais une de mes patientes qui a perdu son fils il y a 2 ans, qui n'arrive pas à s'en remettre et qui disait « oui, je continue de parler avec mon fils, etc. » Et je me disais « comment peut-elle faire le deuil avec cette conception-là sur la mort ?» Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la meilleure compréhension à la fois de la mort et de la vie éternelle a toute sa place. Tu connais sans doute mieux que moi Émile Brunner, hein, un Suisse, un théologien, et puis qui nous parlait de l'espérance. Pourquoi, d'après toi, Émile Brunner, dit-il que l'espérance, c'est comme l'oxygène pour les poumons, c'est comme l'oxygène par rapport au sens de vie? Quelle est l'importance de l'espérance? Alors, Émile Brunner, je le connais sur le plan livresque, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement. Ça a été l'un des très grands théologiens du XXe siècle, avec d'autres comme Barthes, Kuhlmann et d'autres grosses pointures, français, suisse ou allemand. Émile Brunner avait cette sensibilité, on peut dire, évangélique, c'est-à-dire il aimait l'évangile, malgré le fait que c'était une très forte personne au niveau de ses études critiques du texte biblique. S'il compare l'espérance à l'oxygène qu'il y a dans nos poumons, c'est qu'il a compris que dans le texte biblique, un monde sans espérance est un monde qui s'essouffle et un monde qui se meurt finalement. Mm-hmm. Or l'espérance, c'est non pas une vue de l'esprit, mais c'est une manière de comprendre que l'avenir qui nous est révélé dans bien des textes de la Bible est un avenir qui nous permet
de gagner des forces pour le présent et d'affronter les difficultés. L'espérance ne nivelle pas les difficultés de la vie. L'espérance n'est pas là pour nous dire « il n'y a pas de difficulté, le chrétien peut aller de l'avant ». Non, le chrétien est malade, le chrétien se bat, le chrétien subit les guerres, le chrétien subit les persécutions, comme tout le monde dans le monde. Le chrétien est un homme et une femme, rien d'autre que cela. Mais la différence est que, voyant un peu plus loin, dans la tempête, on voit le rivage peut-être, ce que beaucoup de nos contemporains ne voient pas. Lorsqu'ils se débattent dans le plus fort des tourments, dans une tempête au sein de l'océan, beaucoup ne voient pas qu'il y a un rivage ou qu'il y a un phare. Ils ne croient même pas qu'il y a un rivage. Ils ne croient même pas ou qu'il y a un phare peut-être qui éclaire et n'ont pas cette croyance au fait que même si le sauvetage n'est pas pour maintenant, le salut est pour plus tard. Et je pense que Brunner fait une grande distinction entre sauvetage et salut. Hein ? Le sauvetage... enfin c'est moi qui parle, je ne fais pas parler Brunner maintenant, mais le sauvetage c'est d'essayer de me tirer d'affaire présentement. Le salut c'est de me dire même si tu ne te tires pas d'affaire maintenant, Dieu va te tirer d'affaire plus tard. Et ça c'est l'espérance qui nous permet d'avoir cette vision, cette croyance, et donc d'envisager la lutte actuelle avec un peu moins de faiblesse que s'il n'y a pas cette espérance. Je ne voudrais pas crier cocorico non plus. Le chrétien a ses faiblesses, le chrétien a ses doutes, le chrétien n'est pas sûr de tout. Mais l'espérance permet de combler le vide qu'il n'arrive pas à combler par sa logique, par ses théories ou par sa science peut-être même. Merci. Donc, effectivement, on va parler d'espérance pendant tout ce trimestre, mais on va commencer par d'abord la tempête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de cette notion de rébellion dans un monde parfait et comment on est arrivé à être dans une tempête. Cet après-midi, je vous rappelle que Roland sera encore là parmi nous pour avoir une vie globale sur tout le trimestre. Mais on va plutôt donc s'intéresser à cette première leçon ce matin, hein, si je comprends bien. Alors, l'origine du mal ou pourquoi est-on dans une tempête ? Moi, je me suis interrogé sur ce fait. Il y a Paul, par exemple, il ne va pas faire des exposés sur la grâce, sur le salut par la foi. Hein, il y a des choses très bien structurées. Mais sur l'origine de mal, à ma connaissance, il n'y a pas une présentation biblique de façon didactique, une espèce de cours de théologie sur d'où vient le mal. Hein, et comment finalement... la Bible nous présente la chose. Oui, la Bible n'est pas un document organisé. C'est la raison pour laquelle il y a dans les études appelées de la théologie, comme des études de médecine, des études de sciences exactes, des études de psychologie, dans les études de théologie, il y a, on peut dire, une branche ou un département qui s'appelle la théologie systématique. Et dans ce département des études de théologie, nous sommes appelés à précisément regarder dans le document biblique de la Genèse chapitre 1 à l'Apocalypse chapitre 22, et puis dans tous les écrits qui ont été produits depuis que le monde est monde et jusqu'à maintenant, comment on pourrait organiser tel ou tel sujet pour que nous puissions en faire un enseignement de ce sujet. Ou une doctrine, si vous voulez, mais je préfère le mot enseignement. Alors, je prends un exemple, le sabbat. Où allons-nous regarder dans la Bible pour savoir à partir de quand, coucher du soleil, jusqu'à quand, prochain coucher du soleil, ce qu'il faut faire et ne pas faire le jour du sabbat, quand il a commencé et quand il finira. Il n'y a pas un chapitre dans la Bible qui nous permet de dire, voilà, il y a un traité sur le sabbat. Le sabbat, on en a des bribes dans Genèse chapitre 2, les trois premiers versets, jusqu'à l'Apocalypse. Et à nous de chercher, de mettre bout à bout ces versets, parfois ces centaines, si je prends l'exemple de l'homme, pour savoir comment la Bible présente l'être humain, et c'est une partie des leçons de ce trimestre aussi, j'ai à ma disposition environ 5 à 6 000 textes sur l'esprit, l'âme, le corps, tous les organes humains, pour me dire, ah, l'humain, c'est peut-être bien cela. Et donc, la systématique va permettre
d'étudier ces milliers de textes et d'en tirer un enseignement. Alors, pour la question que tu poses par rapport à l'origine du mal, c'est un petit peu cela. Il n'y a pas un auteur biblique qui a fait un traité sur l'origine du mal. Mais de ci, de là, dans le livre de la Genèse, chez Ézéchiel, chez Ésaïe, dans l'Apocalypse et dans bien d'autres documents de Paul également, comme tu le soulignais tout à l'heure pour un autre sujet, bien, il y a des éléments qui nous montrent que, y compris sous la bouche de, dans la bouche de Jésus, hein, lorsqu'il dénonce le mensonge chez le père du mensonge, mm-hmm. qui est Satan, dans l'évangile de Jean, bien, un peu partout dans le texte biblique, nous avons des éléments qui nous permettent de comprendre, d'avoir des éléments de compréhension sur l'origine, mais aussi sur la conclusion du mal grâce à la victoire de Dieu. Donc, ne cherchons pas un livre en particulier, mais plutôt des versets, des chapitres qui nous permettent de nous dire « Ah, c'est peut-être bien comme ça que ça a commencé. » Alors, on aura aussi des métaphores. Hein, si on prend les textes d'Ézéchiel, les textes d'Ésaïe, peut-être qu'on les verra, ce ne sont pas des affirmations péremptoires, mais des métaphores qui nous permettent de nous dire « Tiens, on reconnaît peut-être bien l'orgueil diabolique, le mensonge satanique. » Donc, c'est peut-être bien ça qui est un des textes qui nous montre quelle est l'origine de... Ok, donc finalement, il n'y a pas un traité théologique, il y a des bribes et une description plutôt d'un personnage, de Satan, de son caractère et de ses méthodes. Oui. Hein, c'est un peu comme cela que la Bible aborde le problème du mal. Au départ, donc, notre guide d'étude parle d'un univers parfait. En quoi cet univers était-il parfait? Qu'est-ce qu'il peut définir? C'est un univers parfait au niveau cosmique et même au niveau de notre Terre. Alors, la perfection, lorsque c'est l'humain qui en parle, elle est relative. Mmh. Hein, la notion biblique de perfection, le mot même perfection, va exprimer le fait qu'on est arrivé au but que l'on s'était fixé. Ça veut dire que l'enfant est parfait lorsqu'il est adulte. Mm-hmm. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il soit un adulte parfait. Hein? Donc, c'est la finalité qui a été atteinte, la perfection. Maintenant, lorsqu'on attribue ce mot à Dieu, Dieu a des caractéristiques, des attributs, des qualités, appelons cela comme on veut, qui ne peuvent être autre chose que sans faute, sans tâche, sans erreur, ce que l'humain va appeler parfait. Ben, le problème que nous avons, c'est que dans notre vie, nous cherchons parfois des mots pour décrire un événement. Et qu'est-ce que nous disons? Les mots nous manquent. Tu as parlé tout à l'heure de mort, qui sera l'une des études de ce trimestre. Mais face à la mort de quelqu'un, quel qu'il soit, mais à plus forte raison de quelqu'un de proche de nous, qu'est-ce qu'on dit en général? Il n'y a pas de mots, il n'y a que des larmes. Ça veut dire que le vocabulaire nous manque déjà pour décrire certains phénomènes de notre vie. À plus forte raison, le vocabulaire va nous manquer pour décrire Dieu et ce que Dieu a fait. Mmh. Et c'est là où nous nous heurtons parfois à des difficultés entre nous de compréhension. Parce que très souvent, nous disons « moi je pense que, moi je suis persuadé que ». Et c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Parce que je sais lire le texte biblique. Mais comment le lisons-nous? De qui tenons-nous cette science? On n'a pas une prétention, on ne peut pas avoir cette prétention d'avoir la lecture parfaite du texte biblique. Donc, parler, pour essayer de répondre un tant soit peu à ta question, d'un monde ou d'une création parfaite, on peut le faire lorsque on lit les séquences de cet acte créateur dans Genèse 1 et 2, où chaque jour, chaque période journalière est ponctuée par une sorte d'appréciation. C'était bon, c'était très bon. Et puis, lorsqu'on arrive à la création du septième jour, c'est-à-dire dans Genèse 2, les trois premiers versets, qu'on va appeler le sabbat, du mot sabbatiser, Dieu a sabbatisé, c'est-à-dire il a arrêté sa création
parce qu'il ne pouvait rien faire de plus que ce qu'il a fait. Quand je dis il ne pouvait, je limite le pouvoir de Dieu, vous le comprenez bien, et c'est un langage humain, ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Mais il n'a rien fait de plus parce qu'il a constaté que ce qu'il a fait était ce qu'il voulait faire pour implanter un lieu de vie à un humain qui lui ressemble et qui est à son image. Et là, on peut parler de perfection. Donc, j'entends trois éléments dans ce que tu as dit pour apprécier cette notion de monde parfait. C'était beau ou c'était bon, hein? Et puis, c'était un accomplissement. Voilà. Et puis, tu mets le lien entre ce monde parfait et un Dieu parfait. Et moi, je vous propose qu'on lise deux passages qui nous ont été proposés cette semaine par rapport à ce Dieu parfait. Alors, on connaît bien Matthieu 5. Matthieu 5, alors le verset 45 et le contexte dans lequel il apparaît. Matthieu 5, 45. Hein, donc, aimez vos ennemis. Hein, on connaît, tu aimeras ton prochain. Aimez vos ennemis. Et en la suite, donc, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et toujours par rapport à ce Dieu parfait, on nous propose aussi Deutéronome 32, verset 4. Hein, et 32, verset 4, il est dit, il est le rocher, son œuvre est parfaite et toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans justice, c'est lui qui est juste et droit. Alors, à la lumière de ces deux passages, comment comprendre Dieu parfait? Pour le texte de Matthieu, lorsqu'on nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », on a exactement l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on parle de perfection au niveau humain, on est relatif, et lorsqu'on parle de perfection au niveau divin, on est absolu. Être parfait comme Dieu, c'est impossible. Si j'arrive à la perfection sur cette terre, je n'ai pas besoin du sacrifice du Christ. Il peut rester au ciel, je n'ai pas besoin de ses services. C'est prétentieux. Or, l'expression teleios comporte une idée de but à atteindre. Donc, ça veut dire parfait, c'est ça, c'est ça. Parfait, oui. D'accord. Comporte l'idée de but à atteindre. Donc, Paul va utiliser un autre langage que Matthieu. Il va dire « Travaillez à votre salut ». C'est-à-dire, on sait bien qu'on n'acquiert pas le salut par le travail, on l'acquiert par grâce, mais une fois que j'ai reçu ce salut au travers de ce cadeau qu'est la grâce, je ne peux plus agir comme si je n'avais pas reçu ce cadeau. Et pour Paul, c'est une manière de dire eh bien, « Activez-vous à entrer dans cette grâce en agissant différemment que si vous n'aviez pas cette grâce ». Et pour Matthieu, ici, ou pour Jésus, dont les paroles sont rapportées par Matthieu, être parfait comme notre Père, c'est se rapprocher le plus possible de la perfection de ce Père. Mais le perfectionnement est une œuvre divine. C'est comme la sanctification. Je ne peux pas être saint, mais je suis appelé saint. Paul, par exemple, dans la finale de plusieurs de ses épîtres, va adresser ses salutations aux saints des églises où il écrit. Saint des églises de Collonges, saint des églises de Paris, de Marseille. Mais nous ne sommes pas des saints dans le sens divin. Nous sommes des saints parce que déclarés, mis à part, par notre Dieu. Et cette déclaration de mise à part, c'est l'expression de sanctification. Donc, on va jumeler sanctification, perfection, sans pour autant pouvoir dire que je suis sans péché et que je suis exempt de grâce de Dieu parce que je m'en sors tout seul. Alors, la perfection de Dieu, c'est d'abord de me laisser choisir si oui ou non je veux le suivre ou je ne veux pas le suivre. Et alors, c'est justement, là... cette notion de libre arbitre, quel est le lien avec la notion de monde parfait, d'un monde où il fait bon vivre? Vas-y, je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, non, c'est pas grave. Mais je pensais à une chose, juste avant de répondre à cela. Je prends l'exemple des parents. Alors, c'est toujours compliqué de parler d'un exemple humain quand on veut illustrer un exemple divin, parce qu'il y a des limites. Mais je prends un exemple de parents.
Les parents sont là pour éduquer les enfants. Enfin, sont là. Quand ils ont des enfants, ils les éduquent. Mais comment le faire ? De manière coercitive, sans donner aucune liberté à l'enfant, en l'enfermant s'il a commis une erreur, ou bien en lui montrant les choix qu'il peut faire dans la vie. Mais à partir du moment où je lui montre les choix qu'il peut faire dans la vie, ce qu'on peut appeler cela l'amour qu'on a pour l'enfant, on prend un risque. C'est que le choix ne corresponde pas à celui que nous aurions fait. Or, si on attribue ce même mode de fonctionnement très relatif à Dieu, Dieu ne peut pas, dans sa perfection, ne pas me laisser le choix. Or, à partir du moment où il me laisse le choix, il prend un risque, et je prends un risque de renoncer à la grâce divine. C'est un énorme risque. Hein ? C'est un énorme risque, mais on le voit dans le jardin d'Éden. Et donc, on le voit avant le jardin d'Éden, lorsque on peut parler de la création angélique, de laquelle certainement Lucifer, devenu Satan, le diable, faisait partie aussi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux notions qui nous sont présentées par rapport à cette perfection ou ce monde où il faisait bon vivre. Il y avait cette notion d'amour et on le voit avec Dieu. Hein, soyez donc parfaits comme Dieu, juste après avoir parlé donc de l'amour. Et puis le fait de pouvoir choisir. Mais on voit que c'était un risque énorme. Dans le guide, il nous est posé cette question, mais finalement, pourquoi Dieu a-t-il choisi de créer ? Oui. Hein ? Pourquoi ? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, peut-être qu'il faudra la poser à un de mes collègues, parce que je suis incapable de répondre. Le pourquoi Dieu a-t-il créé, qui est une question plus philosophique que théologique, n'a certes pas de réponse, mais ce que l'on peut peut-être dire, c'est que lorsqu'on est en difficulté, on renvoie toujours l'origine, la racine de la difficulté sur un autre, et jamais sur nous. Ben, regardons ce qui se passe dans Genèse 3. Hein ? Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ? Puis ensuite, lorsque Dieu s'approche d'Adam, c'est ma femme que tu as mis près de moi qui a fait le premier pas. Donc, il n'y a jamais de faute de la part de celui qui est coupable. Il y a toujours une raison de cette culpabilité. Donc, ça veut dire que quand je m'en sors plus, quand je perds mes repères et que je perds pied, je pose la question à Dieu, pourquoi m'as-tu créé ? Job l'a fait aussi dans sa misère. Il s'est repris après. Mais c'est humain que de se poser la question du pourquoi. Alors, plutôt que de se poser la question du pourquoi, moi, je vais dans le sens de nous dire ce libre arbitre qui a mis à mal la situation de la création et qui a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes maintenant n'est pas une situation définitive. Parce que lorsqu'on parle d'amour, et tu l'as cité à plusieurs reprises, on parle aussi d'un plan d'action prévu qui permet de rétablir ce que la faute a généré comme situation catastrophique. Et ce plan-là, on le retrouve entre le Père, le Fils et l'Esprit, qu'on va appeler le plan du salut, l'incarnation du Christ, sa résurrection, qui finalement, lorsqu'on lit les textes jusqu'au bout, vont nous faire comprendre, et c'est en particulier le dernier texte à étudier du dernier sabbat, de ces 14 études que nous aurons à faire, Apocalypse chapitre 22, les premiers versets, bien, le choix n'est plus possible une fois qu'il a été fait à ce moment-là, parce que Dieu aura laissé l'action diabolique se faire, le choix humain se faire, et à partir de ce moment-là, une fois que le choix est fait, il est scellé pour l'éternité. Ok, merci. C'est vrai qu'un nouveau trimestre, c'est toujours une aventure, hein, avec nouveaux thèmes. Surtout, qu'est-ce que nous allons découvrir par rapport à notre expérience personnelle ? Je viens vers vous aussi, Internet. J'ai de la peine à la fois suivre Roland et suivre l'écran. Je vois que vous avez écrit pas mal de choses. Par exemple, je vois le dernier commentaire, c'est Olive qui nous dit « Dieu avait un projet et il a poursuivi son projet ». Selon Deutéronome 19, il y a un problème entre deux parties. Il faut une troisième partie pour juger la situation. Hein, Némi, alors pourquoi Dieu a décidé de créer l'humanité
Et quel était le plan réel de Lucifer quand il attaque le couple en Éden ? Hein, voilà un peu certaines des questions. Je ne sais pas si tu pourras répondre à tous, hein, à toutes. Et donc, en fonction de ce que Néhémie là, vient de dire, peut-être allons vers ce personnage-là. Et nous avons l'habitude d'utiliser trois chapitres dans Ézéchiel, Ézéchiel 28, hein, Ésaïe 14 et Apocalypse 12. D'abord, une première question. Est-ce que c'est spécifiquement dans les milieux adventistes qu'on utilise ces chapitres-là, d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28, ou c'est dans tous les milieux chrétiens qu'il y a eu cette compréhension-là? Oui, c'est une question intéressante, à la fois dont la réponse va être difficile à donner, mais ce n'est pas une interprétation exclusivement adventiste. Il y a des versets, voire des chapitres, dans certains livres qui ont des parties qu'on peut appeler apocalyptiques, c'est-à-dire de révélations sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer. Et on peut effectivement trouver dans certains documents bibliques, voire à l'extérieur de la Bible aussi, des parties de textes, comme le texte que tu citais de Ézéchiel 28, une partie du chapitre, Ésaïe 14, Apocalypse 12, des parties de textes qui sont des expressions de situations réelles, humaines. Dans Ézéchiel, on va parler du roi de Tyr, par exemple, dont on ne connaît pas le nom, c'est Flavius Joseph qui va révéler le nom de ce roi-là. On ne connaît pas vraiment la vie de ce roi, mais on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment joué le jeu de l'humilité. Il a été orgueilleux. Est-ce qu'on peut être on lit des passages, hein, parce que Ézéchiel 28. Oui. Hein, c'est à partir du verset 12. À partir du verset 12. Et donc, peut-être je lis une partie, hein ? Oui. Alors, Ézéchiel 28, verset 12. « Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. En sachant que quand même, à partir du verset 1er, de Ézéchiel 28, verset... Déjà, on parle du prince de Tyr. Hein. Je lis juste le verset 2. Hein. Ainsi, fils d'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur a été arrogant, Dieu a dit « Je suis Dieu ». Je suis assis sur le siège des dieux et au cœur des mers, mais toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Alors, je reviens avec ma question, que j'ignore la réponse. Est-ce que l'ensemble des milieux chrétiens disent, mais ça s'applique essentiellement au roi de Tyr, donc a été identifié non. par... Enfin, non, ce n'est pas l'ensemble des milieux chrétiens. Ce ne sont pas tous les théologiens qui ont cette vision, mais... tous les théologiens n'ont pas non plus la même vision de la création, ni de la lecture de l'Apocalypse. Ouais. Donc, dans le christianisme, il y a des familles. Ouais. Hein, et il y a des familles qui se ressemblent, il y a des familles qui s'opposent. Donc, oui, une partie du christianisme va voir dans ce texte de Ézéchiel 28 une lecture dénonçant la situation de l'arrogance de ce roi ou de ce prince de Tyr que l'on va pouvoir mettre en relation avec d'autres textes qui nous parlent d'autres monarques ou d'autres situations qui sont tout aussi arrogants et les textes apocalyptiques finalement qui vont mettre un nom sur cette arrogance et qui vont l'appeler le serpent, le dragon, le chatan, le diable et on va comparer ces textes
avec ce que certains passages de l'Apocalypse, comme le chapitre 12, vont nous dire. Et on va se dire, tiens, on pourrait avoir une lecture métaphorique de ce passage-là. Donc, je ne voudrais pas ici dire que c'est une absolue réalité, mais c'est une manière de lire à double sens ou à double expression un même texte. Et ce n'est pas du tout une bévue, je dirais, ou une erreur que de le faire. Oui, il y a de nombreux théologiens qui le font, mais bien sûr pas tous, comme tous ne croient pas à la création de la même manière ou au développement de nos théories apocalyptiques. Donc c'est un principe biblique habituel qu'il y ait justement des passages qui ont un double sens. Et qu'est-ce qui, dans ce passage-là, nous a fait croire que cela pouvait aussi se rapporter à Lucifer? Alors, il y a peut-être dans cette métaphore du destin de Satan créé par Dieu, au verset 14, on va parler d'un ange. Tu étais comme un ange. Modèle de perfection et de beauté, au verset 12, par exemple. Tu mettais, alors la seconde traduit, le sceau de la perfection. Littéralement, tu mettais, tu as été un modèle de perfection. Or, un modèle de perfection, pour un humain et un roi, c'est assez rare. Mais si on l'attribue à ce modèle de perfection dans la création angélique, on peut se dire, tiens, ça peut aussi s'adresser, dans une lecture métaphorique, à une lecture, à une création antérieure, à la création édénique. Au verset 13 encore, tu as été placé dans l'Éden. Le verset 13 dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Or, l'Éden, c'est un mot qui définit un jardin clos, un jardin parfait. La suite, tu t'es tourné vers le mal et finalement chassé de la présence de Dieu. Alors, si, pour répondre peut-être à ta question, par rapport au fait de est-ce que d'autres croyants pensent la même chose, si tu consultes la Bible expliquée, dont le texte de base est le texte de la Bible en français courant, qui a été publié, cette Bible expliquée en 2006 et publiée par la Société biblique française, bien à cette partie du chapitre 28 d'Ézéchiel, tu vas trouver une note en disant certains chrétiens, voire certains biblistes, considèrent qu'on peut métaphoriquement attribuer cette lecture à Satan et à sa chute. Merci. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là sur ce personnage, en fonction, qu'est-ce qu'on apprend sur lui et sur l'origine de mal, finalement, dans ce passage-là? Alors, ce qu'on apprend, c'est que tu n'es pas Dieu, mais tu te prends pour Dieu. Tu veux donc usurper le pouvoir de Dieu. Alors, de quelle manière cela nous échappe complètement, de manière totalitaire? Pourquoi la rébellion luciférienne s'est-elle faite? Est-ce qu'il y a eu un différent? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que Lucifer n'a pas compris dans le pouvoir aimant mais absolu de Dieu? Ce que l'on constate, c'est que ce qu'on exprime rapidement par un mot qui est le mot orgueil, c'est-à-dire un but de sa personne, c'est-à-dire un ego explosif et explosant, voulant prendre la place de l'autre, en quelque sorte un usurpateur. Ça a été certainement la situation de Lucifer, d'après en tout cas ces quelques textes que nous pouvons lire et tenter de comprendre. Après cela, la fin du texte que tu as lu tout à l'heure au verset, c'était verset 15, je crois, nous montre que finalement, la solution n'a pas été la bonne, puisque l'iniquité a été trouvée chez toi. Or, l'iniquité, c'est la non-justice, c'est le mensonge, c'est le non-amour, c'est l'aspect totalitaire d'un règne, d'une gouvernance qui veut faire ce qu'elle veut sans laisser le choix à ses sujets. Et on en a plein d'exemples encore actuellement dans notre monde politique. Ok, donc on commence à mieux, enfin, à approfondir finalement quelle est l'origine. On a un petit peu la nature du mal, là on comprend mieux, malheureusement, on le sait mieux. Et dans ce passage-là, quelle est la réaction de Dieu
à cette situation-là. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire un peu l'origine du mal, on le voit au verset 15. Hein. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Hein, c'est là qu'on dit, ah, voilà, il y a un bug qui apparaît. Et la réaction de Dieu, mais... Alors, la réaction de Dieu, il me semble, et j'aimerais la rapporter à Dieu et nous, finalement, parce que parler d'Ézéchiel, parler du roi de Tyr, c'est bien, c'est un exemple, mais que peut-on tirer de cet exemple ? Il me semble que, à contrario des réactions humaines, les réactions de Dieu sont très rarement immédiates. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant aussi. Et c'est la raison peut-être pour laquelle nous nous révoltons parfois contre Dieu en disant « mais tant de misère et un Dieu qui n'agit pas ». Or, lorsque l'on regarde dans ces textes-là, ou dans les évangiles, ou dans l'Apocalypse, ou simplement dans Genèse 3, lorsque Dieu intervient au verset 9 au niveau d'Adam et Ève, il n'y a pas de sanction immédiate de mort. Il y a une question. La question est, où es-tu ? Mm-hmm. Et qu'as-tu fait ? Donc, si Dieu avait voulu régler le problème du mal de manière immédiate, ce qu'a mangé, pour parler de repas, puisqu'il semble que ce soit des arbres et des fruits, ce qu'a mangé Ève et Adam aurait pu provoquer une mort subite. Mm-hmm. Et donc, Dieu se serait dit, bon, ben, c'est fini, je recommence. On efface tout et on recommence. Non, Dieu n'efface pas tout et on recommence. Dieu, et tu es bien placé pour le savoir, on l'appelle volontiers le grand médecin. Or, que fait un médecin face à la maladie ? Il achève son patient ? Immédiatement ? Non. Il tente de le guérir. Alors, sur le plan humain, on sait très bien qu'une fois ou l'autre, le patient, malheureusement, va nous échapper et il va mourir, et le médecin aussi, d'ailleurs, nous tous. Mais pour Dieu, c'est un petit peu cela. C'est que le malade Adam et Ève, le malade humain que je suis, il peut l'achever immédiatement. Il suffit qu'il retire son souffle de vie. Or, ce n'est pas ce qu'il fait. Il lui dit, il y a des conséquences, mais la vie continue. Et la vie continue, chapitre 3, à partir du verset 12, 13, 14 et 15, au travers de la femme. Il y aura des douleurs, mais la vie ne s'arrêtera pas. Il y aura la mort, mais elle n'est pas pour tout de suite. Mais il y aura la mort du Fils de Dieu qui va permettre par sa résurrection à redonner la vie là où la mort a frappé. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est Dieu. Dieu ne se presse pas. Il a le temps puisqu'il est éternel. Oui, c'est vrai que cette notion de lenteur à la colère, on l'aime bien et on ne l'aime pas en même temps. Oui, bien sûr. Ça dépend vers qui elle est dirigée. Hein, effectivement. Mais si on prend l'exemple d'Adam, hein, il a vécu quoi, plus de 900 ans après coup, ce qui est finalement à l'échelle humaine une énorme période, hein, très 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 longue. C'est 900 ans. Hein, et si on part depuis ici à 900 ans, ça fait quoi, Charlemagne, je ne sais pas. Hein, voilà la durée de vie d'Adam, de voir comment Dieu a pris beaucoup de temps pour appliquer finalement ce qu'il avait dit qu'allait se passer, la mort liée au péché. Alors, je reviens un peu vers vous, les internautes, hein, et c'est vrai que je suis pris par ce que Roland nous partage. Je lis ce que vous dites là, hein, pour voir aussi si on peut réagir à cela. Hein, Dieu créa tout parfaitement, ça c'est Alm D qui dit, Dieu créa tout parfaitement et puisqu'il est un Dieu d'amour, il nous donne le libre arbitre et nous accorde le choix. Hein, c'était effectivement la discussion tout à l'heure de ce qu'il faisait pour nous. Alors, et puis aussi, quelqu'un nous dit, pourquoi Dieu reconnaît-il une descendance au diable, le serpent, dans Genèse 3, 15 ? Oui, la postérité du serpent. Peut-être que ça peut nous amener à aller dans Apocalypse 12, justement, hein, pour voir un peu... il est parlé aussi du serpent dans Apocalypse 12 et il est parlé aussi du fait qu'il n'est pas seul. Et on va lire donc en fonction de ce que Néhémie vient de dire. Alors, Apocalypse 12, on peut lire peut-être
verset premier, hein, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, hein, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc on voit effectivement un affrontement qui est là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ces deux personnages et tout ce que ça représente ? Alors, la notion de femme dans les métaphores bibliques, plusieurs sens. La femme ou l'épouse peut être considérée comme la communauté naissante de cette époque, du premier siècle, c'est-à-dire une église qui suit le Christ. Je prends l'exemple d'Éphésiens 5, à partir du verset 22, où Paul dit à l'homme qu'il doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et qui s'est donné lui-même pour elle. Donc déjà, dans les écrits de Paul, on a cette métaphore du mariage entre une communauté croyante et Jésus. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, si nous avons une lecture historiciste, nous permet de comprendre que cette femme peut toujours être liée à une notion d'Église. Mmh. Alors, ne soyons pas exclusivistes en disant il n'y a qu'une seule église qui peut être femme du Christ. Ça, ce ne sont pas les propos que je veux tenir. Mais en tout cas, dans ce texte, il y a depuis Genèse 3, où il y a la blessure au talon, mais il y a finalement la victoire, c'est une femme aussi là. Donc, tout au long des textes bibliques, on a une femme qui est mise en évidence pour montrer en quelque sorte que malgré la blessure, malgré le mal qui est fait, cela ne va pas détruire la croyance et le lien avec Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, cette femme, dans le texte d'Apocalypse 12, elle va se réfugier dans le désert. Or, le désert, c'est quoi ? Ce n'est pas un non-lieu, ce n'est pas un lieu dangereux obligatoirement. Jésus y a été dans le désert. Beaucoup de personnes qui veulent réfléchir vont dans la solitude du désert. C'est un véritable refuge. Donc, se réfugier dans le désert, dans la métaphore apocalyptique du chapitre 12, peut vouloir dire aussi se réfugier en Dieu. Et finalement, l'adversaire va être nommé ici. Il sera renommé au chapitre 20. Mais ici, il est appelé le dragon, rouge feu. Dans le chapitre 20, il sera appelé le dragon, le serpent ancien. Et Satan. Aussi, ici, on le voit aussi au verset 9. Hein, oui. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a ici un combat entre deux puissances. Entre la puissance de Dieu qui est respectée par son Église, c'est-à-dire l'Église, ce n'est pas une entité. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est n'importe qui fait confiance à ce Dieu sauveur. Maintenant, simplement mis ensemble, à partir du moment où nous sommes deux croyants, nous faisons Église. L'Ecclésia, c'est l'expression de sortir d'eux pour se rassembler. Et donc, on a ici une lutte titanesque entre Dieu et le dragon. Et cette lutte-là est décrite en grande partie dans ce chapitre 12. Pour aboutir au chapitre 20, à la ligature de Satan et nous montrer à la fin du chapitre 20, versets 14 et 15, que l'action de Dieu à l'endroit de ce menteur est définitive. Et l'expression du fait qu'il sera jeté dans les temps de feu, c'est la deuxième mort de laquelle on ne revient pas, est une expression d'une victoire absolue et définitive de Dieu sur le monde du mensonge. Ok, on arrive effectivement bien à cette notion d'espérance. Il nous reste quelques minutes et mettons-nous dans le quotidien. Nous sommes entourés de personnes qui s'indignent, qui ont peur,
qui ne comprennent pas trop vers où nous allons et qui craignent, qui n'ont pas cette connaissance biblique, comment aborder ? Comment aborder ce sujet avec ces personnes-là ? Ou ceux qui ont une petite connaissance biblique vont dire « Mais Dieu, il fait rien, il est passif, il laisse faire. » Comment, dans notre contact avec nos contemporains, aborder ces questions-là ? Je pense que ça a été la question que Jésus a dû se poser quand il était sur terre et qu'il prêchait. Jésus n'a pas rallié à lui toute la terre de son époque. La preuve, c'est qu'il a même été condamné par la population à laquelle il est venu prêcher. Donc on peut dire qu'il y a un échec partiel dans la prédication de Jésus. Mais il y a une victoire totale dans la résurrection de Jésus. Alors, je pense qu'on se retrouve dans une situation humaine, dans ce que tu dis, c'est que l'humain a un droit absolu. Le droit de croire, le droit de ne pas croire. Maintenant, de mon côté, en tant qu'humain, témoin, comment puis-je agir au niveau d'une personne qui ne croit pas ou d'une personne qui met en doute ? Il me semble que Pierre nous donne une petite clé dans le chapitre 3, lorsqu'il nous dit, lorsqu'on vous demande des comptes de votre croyance, faites-le avec respect et non violence, on pourrait ajouter. Autrement dit, l'apologie ne doit pas se faire dans la maltraitance, comme ça s'est fait dans les siècles passés, où tu ne crois pas, c'est le bûcher, tu ne crois pas, c'est la pendaison. Il me semble que la meilleure manière d'agir, c'est le témoignage. Témoignage actif, mais témoignage passif aussi. C'est-à-dire que je crois et je ne peux pas imposer à l'autre de croire. Mais ce qui sera peut-être le meilleur témoignage, c'est mon vécu. Mais on voit que la Bible, finalement, la question pour expliquer le mal qui existe sur cette terre introduit le personnage de Satan. Oui. C'est quand même, je pense, l'axe principal dans la Bible, le fait. Est-ce que tu penses que c'est adéquat avec mon voisin qui n'a pas de culte biblique d'introduire la notion d'existence de Satan ? Alors oui, ça c'est difficile parce que pour beaucoup de croyants ou de non-croyants qui lisent la Bible aussi, Satan n'est pas un personnage, Satan n'est pas une créature, Satan est une puissance, une force s'opposant à Dieu. Et je pense que c'est là où les textes sont biaisés. Parce qu'au moment où nous parlons de force, il est impossible d'avoir victoire sur une force. On peut avoir victoire sur une force organisée, soit en institution, soit en personnage. Mais une force, c'est abstrait. Or, si on essaye de comprendre que Satan est un véritable personnage qui a été créé par Dieu, comme Adam et Ève, et comme les générations qui s'en suivent, il me semble que la réflexion devient plus aisée, parce qu'on se trouve non pas dans un combat entre deux forces abstraites, mais entre deux personnes capables de s'affronter. Une affronte l'autre par la violence, l'autre affronte l'autre par l'amour. Et c'est cela qui est détestable pour Satan, c'est que Dieu agit au niveau de la croix et de Jésus, par amour et non pas par violence. Il subit la violence, mais il répond par l'amour. Et je pense que notre témoignage pourrait aller dans ce sens aussi. Nous subissons beaucoup de violence, mais nous devons répondre par l'amour. L'amour n'est pas une expression de non-réponse, mais c'est une expression de réponse dans la non-violence. Alors c'est là, et il nous reste 2 minutes pour aborder ça, les personnes disent, alors ce Dieu qui est si bon face à tout ce mal, on ne voit pas trop ce qu'il fait. Oui, c'est juste. Et je crois que c'est légitime de se poser cette question. Maintenant, je pense qu'en lisant attentivement les évangiles, on peut se rendre compte comment ce Dieu a agi au sein du mal et comment ce Dieu nous promet d'agir dans notre vie, mais peut-être pas toujours avec la rapidité que nous espérons qu'il agira. Et ça nous permettra, en commençant à lire les évangiles, peut-être pas en lisant l'Apocalypse d'abord, ni les révélations d'Ézéchiel, mais les évangiles nous montrant une vie
de Jésus humain et en même temps divin, voyant comment il a traité ses semblables, comment il les a soignés, comment il les a ressuscités et comment lui-même a passé par ses souffrances et comment il est victorieux par le fait que Dieu l'a ressuscité. Et comment les textes nous disent, cette résurrection du Christ est mise à votre compte et vous allez aussi ressusciter. Il suffit de lui faire confiance. Donc tu nous invites par rapport à nos voisins, non pas de commencer avec l'existence de Satan, mais avec l'œuvre de Jésus. Oui. Oui, sachant très bien que nous n'avons pas de pouvoir de conversion, oui, ni de pouvoir de convaincre l'autre. Mm-hmm. Nous sommes convaincus et nous partageons notre conviction. Cette conviction se fonde sur des textes. Elle n'est pas irrationnelle. La foi est empreinte de raison et non pas de non-raison. Merci beaucoup, Roland. Hein, ce n'était que l'heure d'œuvre hein, ce matin. Cet après-midi, nous avons la suite, puisque ça sera donc l'introduction générale par rapport à toutes les 14, oui, puisqu'on est, on est au début, donc les 14 leçons du trimestre. Et on voit combien, dans notre réalité d'aujourd'hui, ce sont des thèmes si importants. Alors, je vous invite à nous rejoindre à 15h, aussi sur YouTube ou ici en présentiel à l'église de Collonges. Je rappelle qu'également à 17h, nous aurons notre EDS+. Vous avez sur l'écran donc l'accès Zoom qui s'affiche. Merci pour votre présence, pour vos commentaires que je n'ai pas pu reprendre, mais je vois que vous avez aussi bien échangé entre vous. AGLU. Dubo est le centre névralgique de l'Ouest. C'est le rond-point où tout le monde passe habituellement. Ici, à Dubo, ils vous regardent toujours dans les yeux en espérant un bonjour de votre part. C'est vraiment une bonne ville. Lorsque je suis arrivé à Dubo, dès que j'ai franchi la porte, j'ai commencé à tomber amoureux de l'église. Je sais que Dubo a une grande histoire en termes de personnes. Quand j'ai pu les rencontrer, j'ai pu les comprendre. Lorsqu'ils ont partagé leur histoire avec moi, j'ai aimé leur vulnérabilité et apprécié leur honnêteté. J'ai aimé leur volonté de changer, leur volonté de grandir, ce qui m'a vraiment aidé à développer un lien étroit avec cette église. Ce groupe s'appelle la Fraternité Back to Back. On m'a présenté ces deux jeunes insulaires en ville. Nous avons commencé à discuter et je leur ai dit « Que pensez-vous si nous commencions un groupe d'études bibliques ?» Ils ont répondu « Oui, ce serait superbe !» Je leur ai demandé « Avez-vous une Bible ?» Ce à quoi ils ont répondu « Non !» Alors j'ai ajouté « J'apporterai une Bible pour vous les gars, à la prochaine étude biblique. » La Bible que je leur ai apportée est la Bible des changeurs de monde. Après une semaine, ils ont invité un autre ami à qui j'ai demandé « As-tu une Bible ?» Celui-ci répond « Non, je n'ai jamais eu ma propre Bible auparavant. » Alors je lui ai dit, j'ai une Bible pour toi. Je suis allé jusqu'à ma voiture, j'ai attrapé la Bible des changeurs de monde. Je l'ai mise entre ses mains et maintenant, tous les quatre, nous avons la même version. Il y a tant de jeunes dans ce groupe à qui nous avons donné une Bible. Maintenant, nous voyageons ensemble, comme une fratrie. Rob, cet enfant, c'est une énorme transformation. Il m'a dit, tu sais Jay, je suis venu en Australie juste pour faire la fête et jouer au rugby. Je n'aurais jamais pensé de ma vie faire partie d'un groupe d'études bibliques. Je m'appelle Robert, je suis né à Auckland en Nouvelle-Zélande avec une éducation tongienne. J'ai grandi en jouant au football dans ce même pays.
J'ai eu la chance d'obtenir un contrat pour venir à Sydney, où j'ai joué pour l'équipe de la Coupe du Monde. J'ai eu quelques problèmes là-bas et j'ai été renvoyé chez moi. Je n'ai pas été autorisé à rentrer en Australie pendant 2 ans. Un jour, mon agent m'a contacté et m'a demandé si j'avais envie de revenir et de repartir à zéro, de recommencer une nouvelle aventure avec le football. J'adore ça. C'est alors que j'ai rencontré Jay quand je suis arrivé à Dubbo. J'étais dans un pub une fois et le gardien du pub, un Samoan, m'a dit « Il y a un type que je veux te présenter ». J'ai demandé « Qui c'est ?» Il a répondu « C'est un gars nommé Jay, un pasteur. » Il est venu avec Jay, c'est moi, et c'est là que je l'ai rencontré. Jay est très énergique, accueillant, très heureux. Je voulais recommencer à m'entourer de bonnes personnes. Jay voulait créer un petit groupe appelé la Fraternité Back to Back. Il s'agissait d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Cela fait plus d'un an maintenant que je traîne avec ces garçons. Cela a commencé avec 3 d'entre nous. Et maintenant, il y a beaucoup de vies changées, juste à partir de ce petit groupe. Je faisais partie de ce groupe qui est venu au camp de l'église, le tout premier camp de l'église auquel j'ai participé. C'était tout simplement incroyable. Je n'avais jamais vécu cette expérience avant. Dieu transforme des vies, pas seulement dans ses garçons, mais à travers eux en influençant ceux qui les entourent. Et ceux qui les entourent se demandent maintenant, hey, quelle est la différence? Quel est le changement ici? Maintenant, je veux sortir de là et en aider d'autres. Je veux être un dirigeant dans notre quartier, un responsable, là où Dieu m'envoie. Au travers de cette vidéo, je retiens une chose, c'est être différent sans être indifférent envers nos semblables. J'invite maintenant les diacres à passer dans les rangs afin de recueillir les offrandes. Juste avant de clôturer notre école du sabbat, donc je réitère cette invitation pour cet après-midi à partir de 15h ici dans la chapelle. Nous aurons l'introduction de la leçon du 4e trimestre qui sera présentée par Roland Meyer, mais les internautes y pourront suivre aussi en direct sur YouTube. Je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions prier. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment de tous les enseignements que nous avons reçus de toi. C'est vrai, notre Dieu, nous sommes conscients que dans notre cœur, il y a encore des racines d'orgueil. Et Seigneur, nous savons que tu ne souhaites pas cela au-dedans de nous. Et nous voulons nous abandonner sur ton autel, afin que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses déraciner, Seigneur, toute racine d'orgueil et que tu nous aides à accepter la place, la position que toi, tu nous as confiée, que nous puissions vraiment accomplir cette œuvre avec humilité et avec fidélité. Nous te remercions infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.
pouvez vous asseoir. Notre école du sabbat s'achève. Nous vous souhaitons un bon sabbat et nous vous donnons rendez-vous à 9h15 pour une nouvelle étude. Bon sabbat à tous. Et on continue notre projet, l'Église en prière. Alors, c'est un projet simple, je répète les informations pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes en train de mettre ce projet en fonctionnement pour faire toute l'Église prier pour les uns les autres. Et une façon pratique que nous avons choisie, c'est de prier et demander à Dieu, et en tirant la sorte, des noms des familles de notre Église pour prier pour chacun pendant une semaine. Donc, nous sommes dans la troisième semaine en train de faire ça. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la famille, pour deux familles. Et on demande à l'Église de tout le monde ensemble prier pour ces deux familles-là. Il n'y a pas une situation spécifique, mais pour couvrir cette famille avec notre amour et prendre soin de cette famille devant de Dieu. Une Église qui prie les uns pour les autres, c'est une Église qui aime, où il y a l'amour les uns pour les autres. Donc, si on ne connaît pas la famille, on peut prier et découvrir des sujets. Et de cette façon, on voit notre amour pour l'autre grandir. Alors, aujourd'hui, on a prié et on a tiré la sorte pour prier pour la famille de Kesiane et Miadana. J'espère que je vais dire le nom de la famille. La famille Handriat Simioatra. Donc, c'est Kesiane, Miadana, c'est la première famille, et toute leur famille. La deuxième famille, c'est la famille de Andriana Solo. Donc, il y a Ando, il y a Florette, il y a Hubert et Juliana. Donc, nous vous invitons à prier pour cette famille. Et aujourd'hui, Valérie, elle va commencer cette prière spécifique. Par respect pour ce moment important, je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions intercéder pour ces deux familles. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont présents en ton nom, tu es avec nous. Et Seigneur, notre Dieu, nous sommes convaincus que quoi que ce soit que nous demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu l'exauces. Alors c'est le cœur rempli d'assurance que nous voulons intercéder en cet instant pour ces deux familles, Kesiane, mais aussi la famille de Ando, il y a aussi Florette, Hubert et leurs enfants. Nous te demandons, ô Éternel, d'intervenir dans ces deux familles. Tu connais leurs besoins mieux que nous-mêmes. Tu connais, Seigneur, aussi, à travers ces moments de crise que nous vivons, tu connais les crises dans lesquelles ils vivent, ces deux familles. Et nous savons que tes mains ne sont pas trop courtes pour intervenir. Nous te remercions, notre Dieu, parce que toi, tu n'es pas un Dieu limité, mais tu es un Dieu illimité. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui aime. Alors merci, ô Éternel, de manifester ta gloire dans ces deux familles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aussi, les amis, aujourd'hui, chaque sabbat, on a quelqu'un disponible pour vous. Si vous avez arrivé à l'église aujourd'hui avec quelque chose, un désir de prière spécifique, nous sommes là pour vous. Chaque jour, il y aura quelqu'un disponible. Et aujourd'hui, c'est moi, en fait. Donc, si vous voyez ce petit crachat, donc voilà, je suis disponible pour vous. On peut se réunir pour prier dans la chambre dehors. OK? Merci beaucoup. Et nous vous invitons à rester dans la révérence avant le culte. Thank you.
Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Note et Yves et Sylviane Santi pour la version française. La grâce sans le désespoir. Après avoir essayé tous les autres moyens, nous nous abandonnons avec des soupirs à la grâce. Nous passons à côté de sa beauté et de sa joie parce que nous la gardons comme dernier recours, une bouée de sauvetage pour les noyés. Nous luttons comme si le but était d'utiliser le moins possible la grâce de Dieu, comme le sel sur les légumes ou économiser le gaz pour chauffer les maisons. Mais Jésus veut que notre joie soit pleine. L'abondance est le signe de la grâce. La vie qui pourrait être la vôtre peut maintenant être la vôtre, sans délai, sans drame et sans coup dur. Dieu sauve les désespérés, mais pas par besoin de nous voir nous noyer. Profitez de sa joie qui commence maintenant et dure jusqu'à la fin des temps. Et restez dans la grâce. Le moment des annonces est arrivé. Je voulais vous communiquer à 15h aujourd'hui, il y a l'introduction du quatrième trimestre de l'école du sabbat, qui se fera en présentiel et aussi sur YouTube, sur le thème « La vie éternelle au sujet de la mort et de l'espérance à venir » avec notre professeur Roland Meyer. Par la suite, je voudrais rappeler, mercredi 5 octobre, donc à 19h, notre réunion de prière qui se fera dans la salle Tison de notre église. Samedi prochain, le 8 octobre, nous aurons particulièrement à 16h à Lola, donc une conférence autour de la guérison des blessures de l'âme. Y est convié les couples et les personnes qui désirent et qui envisagent le mariage. Merci pour votre écoute et je laisse la place à Pierre. Bonjour et bon sabbat à chacune et à chacun. Je viens vous présenter la démarche mensuelle de l'ACAT. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'ACAT, c'est une organisation non gouvernementale qui lutte contre la torture et la peine de mort. Ce mois-ci, je vais vous parler de deux personnes, Mohamed Ramadan et Hussein Ali, qui sont du Bahreïn. En février 2014, ces deux personnes ont été arrêtées sans aucune raison précise, mais très vite, on les a accusées d'avoir tué un policier. Ces deux personnes ont été torturées jusqu'à ce qu'elles avouent ce qu'elles auraient fait et et aussi l'une a accusé l'autre d'avoir fait. Je ne vais pas vous décrire les tortures qu'elles ont subies. Vous pourrez les voir si vous prenez la carte tout à l'heure. Vous pouvez aussi imaginer ce que peuvent être les tortures de nos jours. Puis, en décembre 2014, ces deux personnes ont été condamnées à mort. Elles ont fait valoir qu'elles avaient été torturées, que leurs aveux n'étaient pas valables, mais la condamnation est restée. Plus tard, en octobre 2018, la condamnation a été annulée en fonction de leur plainte sur la torture. Mais, pour finir, en juillet 2020, ils ont été définitivement condamnés à mort. Ces deux personnes sont depuis 8 ans dans le couloir de la mort.
pour des aveux qui ont été faits sous la torture. Et ces deux personnes font part de leur innocence. Nous vous invitons à écrire au ministre de la Justice du Royaume de Bahreïn. Je vous distribuerai, pour ceux qui le désirent, les cartes à la sortie. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur le site de la CAT, imprimer le texte qu'on nous a invité à faire parvenir au ministre de la Justice et l'envoyer vous-même. Je vous remercie. Encore une autre annonce. Le département d'évangélisation de l'Église commence aujourd'hui à faire la publicité de notre événement qui va se passer à la fin de ce mois-là. Vous avez reçu ce petit flyer aujourd'hui, là. Donc, c'est la semaine d'engagement, mais voici un voix-moi avec un invité spécial du Brésil, Maísa Ribeiro, qui est psychologue, qui est aussi évangéliste et missionnaire très, très expérimenté, en fait. Donc, elle va nous parler pendant une semaine et nous voulons vraiment que beaucoup de gens puissent profiter de ce moment-là. Donc, si vous voulez nous aider à passer les mots, en fait, vous pouvez passer ce petit flyer là, vous pouvez noter les informations et peut-être affixer à quelque part pour que les autres personnes puissent accéder à cette information. Donc, il y a une parole pour l'Église, pour ranimer l'Église, pour nous fortifier notre foi. Aussi, une parole pour les gens qui ne sont pas encore convertis ou qui vont entendre la parole. Et il y a aussi une parole spéciale pour les missionnaires, pour les gens qui sont en train de travailler, les missionnaires volontaires. Et vous êtes tous invités. Donc voilà, mais voici, envoie-moi. Il y a une petite correction là au numéro de téléphone. Et si vous avez besoin de plus d'informations, c'est 06 52 11 37 00. Donc si vous pouvez corriger là cette petite flyer, nous remercions tout le monde. Et voilà, vous êtes tous invités. Bonjour, chers frères et sœurs. Permettez-moi en quelques minutes un témoignage personnel concernant ce qui change dans notre Église, ce qui ne change pas et ce qui peut-être devrait changer. La première fois que je suis rentré dans ce bâtiment, j'avais 10 ans. C'était un autre siècle, temps des dinosaures, en 1979. Et le bâtiment était peint, cette pièce était peinte en bleu, pour me souvenir, avec les colonnes en bleu foncé. Le sol, il y avait du carrelage rouge. Quand les dames rentraient ou sortaient, ça claquait bien, bien fort. C'était très froid, au sens propre comme au sens figuré. Les bancs étaient exactement les mêmes, seulement il n'y avait pas de coussins. Aucun risque de s'endormir pendant le culte.
Derrière moi, il n'y avait pas cet espace de scène, il y avait un grand mur avec des lettres, parce que la devise de l'école était inscrite sur le mur. Et la chapelle était bien différente. Heureusement, ça a été repeint, on a mis de la moquette, on a agrandi l'espace ici, l'estrade, pour le confort de tous, et je m'en réjouis. Par contre, il y a des choses qui sont restées exactement pareilles que lorsque j'étais haut comme ça. C'est au sous-sol. Et quand aujourd'hui je vais aux toilettes, c'est exactement pareil. Alors ça me fait revenir en enfance. Ça a un petit côté rassurant. Voilà. Je pense que les toilettes n'ont pas été rénovées depuis 61 ans, date de la construction de l'école. Alors j'espère que vous serez d'accord avec moi qu'il est temps de faire quelque chose. Une autre pièce qui n'a pas tellement changé, c'est les pièces de l'école du sabbat. Quand j'étais tison, puis après Explo, il y a eu quelques petits coups de peinture, mais c'est resté dans le jus, avec cette difficulté d'accéder d'une pièce à l'autre. Quand on veut aller dans la troisième salle, on est obligé de déranger deux classes d'école du sabbat. Donc voilà pourquoi nous avons décidé avec mon épouse de nous associer à ceux qui ont déjà donné pour ce projet. Je crois qu'il y a à peu près déjà 30 000 euros qui ont été récoltés. Parce que nous pensons que les enfants de l'école du sabbat méritent des salles plus confortables, des salles insonorisées, que les animateurs et les animatrices qui sont nombreux et nombreuses s'investir chaque sabbat après-midi pour la GIA, mérite d'avoir des salles plus faciles d'accès, plus confortables. Je crois aussi que les personnes à mobilité réduite méritent aussi d'avoir un accès facilité à notre sous-sol. Et puis, ceux qui nous suivent par Internet, et nous sommes heureux de les accueillir dans nos programmes, doivent savoir l'envers du décor. Notre régie, nos techniciens sont dans une minuscule petite pièce, peut-être même pas 10 mètres carrés, ils sont 4, 5, et aussi méritent, je pense, d'avoir un espace plus grand pour pouvoir offrir à tous les internautes à travers le monde les programmes que nous vivons ici. Donc ce n'est pas pour le bâtiment que nous voulons donner. C'est pour des personnes, pour des enfants, pour des animateurs, pour les techniciens, pour nos visiteurs, pour les personnes qui ont une mobilité réduite. Et je ne peux que vous encourager de donner selon vos moyens pour ce projet de l'Église proposé par le comité d'Église. Vous avez reçu une enveloppe avec un flyer qui vous présente, comme je viens de le faire, le projet et puis le moyen qui vous conviendra, vous de choisir, pour soutenir ce projet de l'Église, notre projet pour toutes les personnes que je viens d'évoquer. Merci pour votre attention et merci pour votre générosité.
Une fois de plus, Seigneur, nous sommes tous rassemblés en ce lieu, communauté de Collonges, internautes, pour te rendre gloire. Nous avons été l'objet de tes bénédictions, de ton amour, de ta grâce. Nous sommes venus aujourd'hui pour t'exprimer notre profonde gratitude pour ton salut offert en Jésus-Christ. Et nous voulons dire tous ensemble, venez, chantons avec allégresse ensemble, poussez des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Amen. Alors, hier soir, quand on était en répétition, j'ai dit, il fait froid. Et mes chantres qui étaient là avec moi m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, demain, il y aura du monde. Donc, on va se réchauffer entre nous. Il y aura de la chaleur qui vient de nos corps, de l'amour que nous avons apporté en ce matin. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous regardiez celui qui est à côté de vous, que vous lui dites bon sabbat, bonjour, je suis content d'être, de te voir aujourd'hui. Et le prochain chant que nous allons chanter dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. » Alors même si la personne qui est à côté de vous, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, j'aimerais que lorsque nous chantions « Nous sommes frères et sœurs », vous puissiez vous regarder et avec un sourire dire « Nous sommes frères et sœurs ». Nous y allons tous ensemble. Savoir, c'est que peut-être ce frère, cette sœur qui est à côté de toi en ce matin, il a un petit coup de mou, il n'a pas trop d'espoir. Peut-être que toi, tu as un petit peu d'espoir, un peu plus, mais tu as encore des doutes. Et peut-être que toi,
tu es rempli d'espoir, de confiance. Alors ce matin, encourageons-nous, chantons la puissance de Dieu, parce que oui, nous avons un Dieu qui peut déplacer les montagnes dans nos vies. Alors chantons tous ensemble. Ce Dieu qui a vaincu la mort est présent ce matin et nous voulons l'accueillir dans nos cœurs. Nous avons soif de sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada.
qui vous convient, et je vais adresser la prière pastorale. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Père, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour cette louange. Merci pour la vie et tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Père notre Dieu, par ton esprit, efface-moi et capacite-moi afin qu'au nom de Jésus, la prière que nous t'adressons en ce moment puisse monter jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Les enfants sont partis de chez eux, chacun avec ses aspirations, avec la conviction qu'ici, il pourra te trouver, qu'ici, tu pourras résoudre ses problèmes afin de lui accorder une meilleure existence dans la semaine. Je voudrais donc te supplier au nom de Jésus pour ceux qui sont ici et ceux qui écoutent à distance d'accomplir les desseins de nos cœurs, de nous aider à vivre une meilleure vie, à planifier pour nous notre semaine, à nous accorder de bonnes choses, à nous guérir si nous sommes malades, à pourvoir nos besoins financiers, à veiller à ce que nous puissions t'adorer avec joie. Au-dessus de tout, Seigneur, donne-nous l'espérance de la vie en Jésus. Ton serviteur viendra ici. Il va s'adresser à ton peuple. Je voudrais te supplier à travers cette prière de le oindre de ta présence et de permettre que le message puisse atteindre nos cœurs. Bénis ces moments d'adoration. Souviens-toi de ton Église mondiale. Souviens-toi de tes enfants partout où ils prient. Exauce-nous selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vous invite de lire ensemble la Bible, ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père.
Bonjour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un ministère particulier auprès des musulmans. Et le fait d'être confronté à ces personnes me met face à une vision souvent très critique des choses. Et ça m'oblige à relire la Bible sous des angles différents. Et cela remet parfois quelques certitudes en cause et permet de découvrir une bonne nouvelle encore plus belle. Par exemple, nous avons trop souvent une manière de parler de la mort de Jésus qui n'aide pas un grand nombre de musulmans à comprendre que nous croyons qu'il est maintenant vivant au ciel. Beaucoup pensent que pour nous, Jésus est toujours mort. Et dans la majorité, d'ailleurs, il suffit de regarder en France, la majorité des églises, le crucifix leur montre que Jésus est toujours encore sur la croix. Une autre difficulté dans notre manière de parler de Jésus conduit beaucoup de musulmans à croire que notre Jésus chrétien est un Jésus faible. Exactement comme certains me l'ont dit, vous dites qu'il est Dieu, mais il est tellement faible qu'on l'attrape là et il ne peut même pas se défendre et on le met sur la croix. C'est ça votre Dieu? Et ça, pour les musulmans, c'est très choquant. Parce que Jésus est un grand prophète pour eux. Et Dieu ne peut pas laisser un prophète si important être traité de cette manière honteuse. Et donc, la crucifixion, ce n'est pas possible. Et nous, sous l'influence d'Ésaïe 53, très belle prophétie, mais qui présente un agneau que l'on mène muet, sans défense, à l'abattoir. Et sous cette influence-là, on a trop souvent une manière de parler du sacrifice de Jésus comme d'une mort misérable. Jésus est une pauvre petite victime sans défense, alors que c'est totalement faux. Même s'il est l'agneau que l'on mène à l'abattoir, il s'agit d'un agneau tout puissant. Un agneau qui est en même temps le lion de Juda. Il est victime volontaire, mais comme nous allons le voir, c'est lui qui maîtrise son sacrifice du début à la fin. Il veille à ce que tout se passe comme prévu. Il contrôle tout, il est le maître, il est le tout-puissant. Alors, je vais me permettre de reprendre avec vous l'histoire du sacrifice de Jésus, mais sous un autre angle que celui qu'on entend habituellement et qui se focalise presque uniquement sur les souffrances du pauvre Jésus. Même si ce côté-là est vrai aussi, bien sûr. Et on voit Jésus qui prévient d'avance tout ce qui va lui arriver. Et il faut être fort quand même pour pouvoir parler d'avance, regarder tout ce qui va m'arriver. On en a un exemple dans Luc chapitre 9, versets 18 à 22. Où on nous dit, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, un des anciens prophètes, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?»
Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Au moment où les disciples reconnaissent qu'il est le Messie, instantanément Jésus casse tout de suite l'image de ce que représente le Messie, celui qui doit prendre le pouvoir et chasser les occupants romains, etc. Tout de suite, non, on va me faire souffrir, je vais mourir, etc. Il annonce cela de manière claire. Et dans le même chapitre, quelques versets plus loin, au verset 43, Jésus vient de guérir un enfant possédé. Les gens sont stupéfaits. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien, ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Jésus insiste. Et en fait, bon, là, il y a juste deux exemples, mais il y en a plein d'autres, parce qu'à de nombreuses reprises, Jésus les prévient. Et encore quelques versets plus loin, à la fin de ce chapitre, au verset 51, on nous dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Ça nous montre que Jésus choisit délibérément d'aller vers sa fin, d'aller vers la mort. Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui? Alors, il faut passer un petit moment à regarder dans quel contexte Jésus aborde cette fin-là. Dans Jean chapitre 10, comme on nous l'a lu juste avant que j'arrive, mais on va le relire, Jean 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Et regardez, « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Il affirme qu'il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. C'est-à-dire qu'il peut entrer dans la mort et en ressortir comme il veut. La mort n'est pas un problème pour lui, car il est plus fort que la mort. Pour lui, la mort, ce n'est pas pareil que pour nous. Pourquoi? Jésus est pur, il est sans péché. Donc la mort ne peut pas avoir d'effet sur lui, elle ne peut pas le retenir. Colossiens chapitre 1, verset 15, nous dit « Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Jésus, c'est lui la parole créatrice qui crée le monde. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est déjà Jésus la parole créatrice qui est là. On nous dit qu'il est le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né, dans le contexte culturel de l'époque, c'est l'aîné, c'est-à-dire dans une famille, l'aîné, c'est celui qui est le maître. On est en train de nous dire que Jésus, il est le maître de la vie et de la mort. Ben, c'est normal, si c'est lui qui a tout créé, il est le maître de la vie et de la mort. Donc la mort pour lui, ce n'est pas un problème. Il peut rentrer dedans, il peut ressortir. Ce qui fait peur à Jésus avec son sacrifice, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas les douleurs physiques. Non, c'est le fait de porter nos péchés avec tout ce que ça représente de terrible. 1 Pierre chapitre 2 nous dit quelque chose de très fort.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions par la justice. C'est en lui qu'il a porté nos péchés. Il les a donc ressentis en lui dans toute leur horreur. Pour quelqu'un de pur, ça c'est absolument insupportable. Dans Jean chapitre 3, verset 14, lorsque Jésus parle de la croix à Nicodème, regardez ce qu'il dit. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Jésus se compare au serpent dans le désert. C'est très fort. Cela montre clairement que Jésus sait très bien ce que va représenter son sacrifice. À ce moment-là, du fait qu'il concentre sur sa personne la totalité du mal de toute l'humanité, lui qui est pur, il devient comme le serpent, le mal personnifié. Pour quelqu'un qui est sans péché, c'est la souffrance absolue. Mais il va le faire pour nous. Et ce qu'il dit là en Jean 3, 14, hein, ça rejoint ce qu'il dit ailleurs dans 2 Corinthiens 5, hein, il a été fait péché pour nous. Et ça, il va le faire de manière très volontaire. C'est même lui qui pousse pour que tout cela se mette en place. Et effectivement, lors du dernier repas avec ses disciples, en Jean 13, à partir du verset 26-27, il prévient les gens, il prévient ses disciples en disant « L'un de vous va me trahir ». Alors on lui demande « Mais qui ça ?» Et donc, Jésus répond, celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est Jésus qui lui dit, vas-y. Alors, attention, hein. Ce n'est pas Jésus ici qui pousse Judas à faire le mal. Mais Jésus sait très bien que de toute façon, Judas est déterminé. Hein, au verset 2, au début de ce même chapitre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, avant même que le repas commence, on nous précise déjà bien qu'il est décidé. Hein, et ça, Jésus le sait. Donc le fait qu'au verset 27, on nous redit que Satan entre en lui, c'est simplement pour nous montrer que Judas se confirme en lui-même dans sa décision. Alors puisqu'il en est ainsi, autant que cela ne traîne pas. Hein? Mais cela reste totalement de la responsabilité de Judas. Après le repas, Jésus... Il emmène ses disciples sur le mont des Oliviers au jardin de Gethsémané. Ses disciples s'endorment. Et Jésus sait exactement ce qui va se passer. Et quand les gens arrivent pour l'arrêter, il y va résolument. Hein, Matthieu 26 nous le montre. Il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Il prend les devants et il va vers eux. Et ça, Jean nous le montre dans Jean 18. Au moment où les gens arrivent, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » On voit donc Jésus, c'est lui qui va vers eux, c'est lui qui même les interpelle. « Vous cherchez qui ?» Bon, Jésus sait très bien. Mais Jésus n'a pas envie que les choses traînent. Il leur fait face comme quelqu'un de tout-puissant. Au moment où il dit « C'est moi »,
Vouf, ils sont tous par terre. Une puissance émane de lui. Et Jésus montre très bien qu'il fait exprès de se laisser arrêter. Parce que sinon, il ne pourrait même pas le toucher. Si on revient dans Matthieu 26, eh bien, là maintenant, on porte la main sur lui, et à ce moment-là, un disciple sort son épée pour prendre sa défense. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Attendez, je suis allé un peu trop vite. Au moment où on porte la main sur lui, c'est Jésus de nouveau une deuxième fois qui dit à Judas, « Allez, vas-y, hein, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc il redit une deuxième fois à Judas de ne pas traîner à faire ce qu'il a décidé de faire. Donc là encore, ne pas y voir une prédestination, il s'agit bien de la responsabilité de Judas. Jésus veut juste que les choses décidées par Judas ne traînent pas. Donc, et encore une deuxième fois, Jésus montre aussi que c'est lui qui cherche à ce qu'on mette la main sur lui. La suite du passage. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Jésus montre donc que il n'aurait qu'un mot à dire et le ciel tout entier viendrait à son secours. Sauf que voilà, les choses doivent se passer comme c'est prévu. Et c'est pour cela qu'il se laisse attraper, sinon les autres ne pourraient rien contre lui. Mais en même temps, Jésus montre que il pense aux autres, hein, on a vu tout à l'heure, il dit, les autres, laissez-les tranquilles, hein, si vous en voulez à moi, vous prenez-vous-en à moi. La préoccupation principale de Jésus, c'est que ça doit se passer comme prévu. Et une fois qu'il est devant ses juges, Ésaïe 53 nous dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et ça, c'est vrai, mais seulement lorsque les questions ne méritaient pas de réponse, parce que Jésus est au-dessus de cela. Mais en réalité, ce n'est pas la tête basse que Jésus reste silencieux devant ses juges. Il regarde ses interlocuteurs en face et son silence, comme on dit parfois, est un silence assourdissant, hein, qui dérange beaucoup. Et dans Jean 18, on nous montre l'attitude de Jésus devant ses juges. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là lui donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, « Fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » On voit Jésus, il est tête haute devant ses juges. Il n'est pas intimidé, et quand il veut répondre, il parle en supérieur. « Pourquoi m'interroges-tu ? Prouve ce que tu dis. Pourquoi me bats-tu ? » Et quand il est devant Pilate, c'est la même chose. Hein, dans Jean 19, on nous dit, hein, au moment où Pilate rentre dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut.
C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Là aussi, Jésus parle devant Pilate en supérieur. Il lui fait comprendre qu'en réalité, Pilate n'a réellement aucun pouvoir sur lui. Alors on l'amène maintenant vers le lieu du sacrifice. Et malgré que Jésus endure un réel calvaire, parce que physiquement il a très mal, hein, il a été fouetté entre-temps, roué de coups, il a la couronne d'épines, il souffre donc physiquement, oui, réellement. Ça ne l'empêche pas d'avoir de la compassion, d'être attentif aux femmes qui pleurent sur son passage. Hein, on le voit en Luc 23. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, parce qu'il y a des temps difficiles qui vous attendent. Hein. » Cela démontre de Jésus un grand contrôle sur lui-même. Et quelques versets plus loin, dans le même chapitre, on voit que maintenant que Jésus est crucifié, au moment où on lui enfonce les clous, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il s'inquiète maintenant de ses bourreaux. Il souffre terriblement, mais les autres restent sa préoccupation. Dans Jean 19, on le voit aussi, alors que maintenant il est sur la croix, dans la situation où il a encore la capacité de prendre soin de sa maman, hein, et de la confier à un disciple qui va prendre soin d'elle, hein, voyant sa mère, Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. On est quand même étonné de voir tout ce qu'il arrive à faire malgré les douleurs atroces. Surtout qu'à ce moment-là, une autre douleur bien plus horrible encore lui est tombée dessus, celle du poids du péché. En comparaison, les douleurs physiques, c'est rien. Et c'est dommage de voir tous les films insister sur les souffrances physiques de Jésus, alors que sa souffrance morale, lui le pur, d'être au contact de toute l'horreur du péché, est infiniment beaucoup plus grande. Il n'y a même pas de mots pour la décrire. Et le plus extraordinaire, c'est que malgré tout cela, c'est lui qui maîtrise toute la situation. Regardez, Jean 19 nous dit quoi ? Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Qu'est-ce que ça nous dit là ? Il va dire « J'ai soif » parce que c'est prévu de dire ça à ce moment-là. Cela montre que malgré les douleurs, Jésus est parfaitement lucide. Il sait ce qu'il faut faire et à quel moment. Et en Matthieu 27, on nous montre aussi hein, que pour garder cette clarté d'esprit, il va refuser de boire le vin qu'on lui donne. Hein. Ah, là, il y a un problème. Bon, alors pardon, il y a une erreur dans le verset que j'ai donné, mais bon, vous connaissez ce verset. Hein, on lui donne du vin à boire et il refuse parce que justement, il veut garder sa lucidité jusqu'au bout. Et alors, et cela nous conduit à regarder sous un jour différent les autres paroles qu'il prononce sur la croix. Hein, au verset 46, ces fameuses paroles. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elles sont tellement fortes, ces paroles, que j'ai l'impression qu'on les interprète souvent mal. Parce que, en fait, là aussi, Jésus dit ce qu'il faut dire à ce moment-là. Il dit ce qui est prévu. C'était prévu au psaume 22, verset 2. Hein, « Le poids du péché... » ne l'empêche peut-être de ressentir la présence de son Père, et il exprime ce ressenti. Mais avec la lucidité dont il fait preuve durant tout le processus, il est difficile de croire que Jésus se pense réellement abandonné.
Il sait très bien que le Père est toujours là. Sinon, il ne pourrait pas dire ce que Luc 23 nous dit, qu'il dit après cela. Hein, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » S'il croit que le Père l'a abandonné, pourquoi il lui dit « Maintenant, je remets mon esprit entre tes mains ?» Il sait bien que le Père est toujours là. Non, c'était une phrase qui était prévue à dire, donc il l'a dit. Et même cette phrase-là, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'était aussi prévu, psaume 31,5, ou verset 6 selon les traductions. On voit Jésus est en contrôle total de la situation. Et en Jean 19, maintenant, on voit qu'il peut dire que tout est accompli parce qu'il sait qu'il a fait tout ce qui est prévu, selon le plan décidé d'avance depuis le début jusqu'à maintenant. Il peut donc passer à la phase suivante et aller dans la mort, enterrer nos péchés. Hein, là, au verset 30, tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc c'est lui qui décide volontairement d'entrer dans la mort et du bon moment pour cela. Et puisqu'il est en contrôle de tout, c'est donc aussi volontairement qu'il baisse la tête et qu'il rend l'esprit. Et pendant ce temps, les autres crucifiés sont toujours vivants. Et Jésus aurait pu aussi rester vivant encore s'il l'avait voulu. Dans Luc 23, puisqu'on parle des autres crucifiés, il faut remarquer comment Jésus parle avec l'un des deux. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » On voit que Jésus est totalement serein sur son avenir. « Tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus sait qu'étant sans péché, ayant résisté aux dernières tentations, la mort ne le retiendra pas. Donc bien que victime, tout se passe comme Jésus le veut. Il maîtrise la situation en grand vainqueur, en tout puissant. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Son contrôle lucide de tout cache une lutte intérieure terrible. Tout se révulse en lui à l'idée de porter les péchés de toute l'humanité, d'être fait péché pour nous, lui qui est si pur. Hein, et en Luc 22, on nous montre hein, ce combat est véritablement féroce, ce combat intérieur. On ne peut pas avoir l'idée de la férocité de ce combat. Hein, pour en arriver à suer du sang, on a vu beaucoup de gens qui sont face à la mort, ils ne suent pas du sang. Hein. Et cette lutte avec lui-même, ce n'est pas à cause de la peur d'avoir mal ou de la peur de la mort, c'est la peur du péché en lui. Mais il y va quand même. Et il fait face par amour pour nous. Et il met toute sa volonté pour arriver à cela. Malgré la souffrance morale indescriptible, il y va en force pour nous. Et le fait de comprendre encore mieux comment Jésus a consciemment tout piloté nous donne une preuve encore plus grande de ce que signifie son sacrifice pour nous. C'était vraiment le don total, volontaire, conscient de sa personne en notre faveur. Et ça, ça fait ressortir encore mieux la puissance de son amour pour nous. C'est vraiment lui qui a voulu de toutes ses forces donner sa vie pour nous, malgré que tout en lui disait non. C'est important de montrer un Jésus grandiose dans sa mort et non une pauvre petite victime jouée des forces ennemies. C'est quand même un meilleur témoignage de la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est bien une victime toute puissante. Et puis après cette mort brillamment conduite, il va aussi ressusciter glorieusement et monter majestueusement au ciel. Jésus n'est pas un faible, c'est important d'en témoigner. Alors peut-être que pour vous, ce n'est pas une découverte fantastique,
d'avoir regardé les choses sous cet angle-là. Sauf que dans notre manière d'en parler, on ne fait pas vraiment toujours bien ressortir cela. Il ne faut pas s'étonner qu'après, les incroyants ou ceux qui croient dans d'autres religions, et en particulier les musulmans, ils ont un peu de peine à croire que Jésus, c'est si extraordinaire que cela. En tout cas, je vous laisse cela et que Dieu dirige toutes choses. Amen. Bon sabbat à tous. La grâce, la paix de Jésus-Christ pour être dans notre cœur ce matin. Et merci Pierre. Pour nous rappeler cet amour, cette grande puissance de Jésus-Christ. Il est Alpha, Omega, celui qui a la résurrection et la vie. On va continuer le moment d'adoration. Luc, chapitre 21, versets 1 à 3. Jésus nous raconte une histoire. Luc 21, versets 1 à 3. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi un pauvre veuve qui il mettait deux petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Et ici, Jésus est en train d'enseigner que peu importe la quantité que tu mets dans le plateau. Le plus important et que vous puissiez donner de tout votre cœur, votre âme et toute votre force. S'engager dans ces travaux aussi, la bénédiction du Seigneur puisse être avec chacun. Je vous invite le diacre et le diaconesse qui puissent passer dans la rang pour recueillir le dîme et les offrandes. Et que Dieu vous bénisse. Alors que les diacres vont passer, nous allons chanter « Nous apportons dans ta maison ». Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour cette belle opportunité ce matin de voir sa
grande puissance, la puissance de Jésus-Christ. Merci aussi pour cette opportunité de nous engager dans ton travail, donner aussi notre dîme et notre offrande. Béni est chacun de ces enfants qui sont là ce matin, celui qui sont derrière l'écran aussi, que ta bénédiction puisse nous accompagner. Pardonne, Seigneur, notre péché, notre faute, soit avec notre famille aussi, qui parfois n'est pas là, que ton esprit puisse les toucher où ils étaient maintenant. Bénisse ta Église ici, dans le monde entier. Nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Nous sommes reconnaissants, nous disons merci du sacrifice de Jésus, sacrifice puissant, qui nous a libérés de nos chaînes et qui nous permet de dire Alléluia, Hosanna, Maranatha. Que le Dieu, victime mais aussi puissante, puisse toucher nos cœurs et nos pensées, que nous restons dans l'espérance de son prochain retour. Amen. Amen. Merci d'avoir adoré avec nous ce matin et passez une bonne suite de sabbat. À la semaine prochaine.